Ce travail, il vient de cette époque-là, de ce moment où je militais avec eux, où je faisais des photos, je leur donnais des photos des manifs, je leur faisais des portraits d'eux, parce qu'ils pouvaient comme ça, ils pouvaient les envoyer à leur famille qu'ils n'avaient souvent pas vue depuis plusieurs années. Et j'avais envie d'utiliser cette image photographique pour militer. Je suis restée aux côtés de la coordination 93 pendant presque 2 ans. Je les ai accompagnés aux manifestations à Paris, devant la préfecture de Bobigny, devant la mairie de Saint-Denis, lors de l'occupation de l'ancienne gendarmerie, celle de la basilique. Mais là, on ne peut plus gérer, là. Il y a beaucoup trop de monde, là. Arrêtez, les immigrés, là, maintenant, il y a d'Afrique, puis du Maghreb, de Chine, puis du 93 aussi. Et toute la France. Sur le parvis devant la basilique. Impossible de faire le cadre. Les gars, la photo, allez. Nous sommes en train d'un gouvernement de droite à qui nous devons montrer que nous sommes forts et déterminés. J'ai travaillé donc avec Mamadou, qui était militant à la coordination 93, que j'avais rencontré là-bas, qui était un copain. Et j'ai travaillé avec lui 3 mois. Juste avec lui, dans une pièce de son appartement qui était vide parce qu'il venait d'avoir ses papiers, il venait d'avoir un appart, mais au bout de 10 ans de galère, t'as 2 valises et pas grand-chose. Et donc pendant 3 mois, j'ai été le voir toutes les semaines et on a travaillé ensemble à élaborer 12 images qui, de façon allégorique, métaphorique, parlaient voilà, de son histoire à lui, mais aussi de l'histoire de tous les autres. C'est comme ça que j'en suis arrivée à faire cette proposition de 12 non-portraits pour faire le portrait de la clandestinité elle-même. Et mon enjeu, c'était de me dire, je veux que dans 10 ans, ces images, elles veuillent dire encore quelque chose. Et du coup, quand j'ai rencontré Cargo, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion inespérée, 10 ans plus tard, d'essayer de voir comment est-ce qu'elle pouvait éventuellement parler aux gens et ce qu'ils pouvaient en penser et comment ça pouvait aujourd'hui, dans le contexte contemporain, avoir un sens ou pas. Quand je suivais les militants de la coordination 93, du coup j'étais toujours dans les squats avec eux. Et dans les squats, il y avait toujours plein de trucs écrits sur les murs. J'ai besoin qu'on rentre en dialogue en fait avec ces images. Je veux pas faire de monologue. Tu vois, rien qu'à partir de là, on peut passer un temps fou à réfléchir tout ce qui est écrit, dit, à s'imaginer les personnes qui sont derrière les écrits, et à se projeter dans les émotions, à voir combien nous sommes identiques et différents en même temps.